droit pour que les citoyens comprennent comment fonctionne l'État, pour qu'ils sachent qu'une campagne électorale aussi, ce n'est pas venir distribuer les sous en réalité. Et que ceux qui viennent distribuer les sous, ce sont les sous en général de l'État et qu'il faut en finir. Il faut aller convaincre les gens par votre projet de société. C'est ce que nous appelons la transformation des mentalités et cela fait partie de la refondation de la nation. Ensuite, nous avons parlé de l'émergence d'un État moderne. Un État moderne, c'est d'abord un État de droit. C'est un État dans lequel les lois sont effectives. Aujourd'hui, ces lois ne sont pas effectives dans notre pays. Il suffit de regarder cette question de détournement et cette impunité totale. Et un État moderne, c'est celui dans lequel les droits de l'homme sont respectés. Et c'est pour cela que nous l'avons dit, nous le réitérons partout. Quand nous serons présidents, il n'y aura pas dans notre pays de détenus politiques. Il n'y aura pas d'exilés politiques. Et pour respecter également les droits des citoyens, dans les meilleurs délais, nous allons faire voter un code de procédure pénale. Et donc, tout le monde ne pourra pas mettre, comme on le désire, les citoyens en prison aujourd'hui, et ce n'est pas le cas. Donc, il faut un réel état de droit. Ce n'est pas tout, il faut une transparence dans la gestion de l'État. Justement, pour cette raison, nous permettrons donc aux journalistes qui le désireraient d'avoir accès à tous les documents administratifs dans le cadre de leur investigation, pour pouvoir bien se prononcer sur le fonctionnement de l'État. Et sauf les documents classés secrets d'État ou les documents se rapportant à la sécurité nationale, sinon ils auront accès à ces documents. Et ces mêmes droits seront reconnus également aux citoyens pour que les citoyens soient très bien éclairés. Et dans le cadre donc de cet État moderne aussi, il faudrait mettre fin à ce projet que le rapportant au Sénat et renforcer plutôt la capacité de l'Assemblée nationale en mettant à la disposition des groupes parlementaires des assistants multidisciplinaires qui puissent mieux les éclairer afin qu'ils prennent des décisions adéquates. Le troisième point, nous l'avons intitulé aussi l'épanouissement intégral de l'homme. Et dans ce secteur, nous parlons de, sur le plan social, il faudrait régler les problèmes se rapportant à la santé. Il faudrait que l'accès aux soins soit gratuit pour certaines catégories de personnes, les personnes les plus vulnérables. Et il faudrait que pour certaines maladies, plutôt, le traitement soit gratuit pour tout le monde. Quand vous prenez par exemple le paludisme bien évidemment, vous vous rendez compte que c'est une maladie qui attaque facilement les pauvres. Avec les produits génériques, on peut facilement régler ces problèmes de sorte que les situations ou les cas ne soient pas graves avant que les malades n'arrivent à l'hôpital. Et sur le plan de l'éducation, nous avons dit qu'il faut revoir les programmes scolaires de sorte que cela permette l'acquisition d'un savoir-faire plutôt que la délivrance de simples diplômes. Et sur le plan de la santé, il y a beaucoup de choses à faire parce que nos hôpitaux aujourd'hui ne sont pas bien équipés et les produits pour les soins d'urgence n'existent pas dans nos hôpitaux. Il faut également y faire face dans les meilleurs délais. Et l'emploi, qui est une préoccupation fondamentale pour les jeunes, et j'ai l'habitude de le dire, ce sont les idées qui manquent et la volonté politique. Ce n'est pas une question de moyens. Pour cette raison, il faut par nos comportements que nous puissions créer de l'emploi. Tout ce qui se consomme au Togo et qui peut être produit au Togo doit être produit au Togo. Il faut fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour que dans quelques années, nos vêtements, tout soit fait par nous, tout ce que nous consommons, que nous n'importons plus rien, qui se rapporte aux produits alimentaires. Et pour cela, il faut redynamiser notre agriculture. Il faut obtenir un développement homogène de notre pays par l'implantation de certaines structures dans certaines régions du pays et spécialiser les régions. Si nous spécialisons une région dans la production des fruits, il faudrait que dans cette région, nous puissions avoir des structures de transformation de ces fruits en jus, de sorte que nous soyons plus obligés de consommer ces boissons qui viennent d'ailleurs, dont on ignore même la composition et qui peut être nuisible pour notre santé. Et sur le plan social aussi, surtout, nous avons parlé des problèmes de logement. Aujourd'hui, les rapports entre bailleurs et locataires ne sont pas sains. Il faudrait essayer d'assainir ce secteur également. On nous demande parfois des cautions jusqu'à 18 mois pour des jeunes à la recherche peut-être d'emploi ou des jeunes étudiants. Ce n'est pas normal. Et il faut aussi détruire les quartiers insalubres et
procéder à leur reconstruction en les finançant également par l'investissement privé et qui nous aurons à les inciter à le faire, trouver ensemble des modalités pour permettre facilement l'accès donc aux logements sociaux. Et nous avons aussi sur le plan de la coopération, quatrième point, nous l'avons intitulé une coopération pragmatique. Il faudrait que ce soit une coopération dans l'intérêt direct des populations. Comment mutualiser nos moyens dans la sous-région, Togo, Ghana, Bénin, Burkina, pour pouvoir réaliser des grandes infrastructures, pour pouvoir construire des hôpitaux de référence internationale, pour pouvoir construire des laboratoires de référence internationale au profit de nos populations, au profit de notre jeunesse. Je crois que ce sont ces idées essentielles, et ce n'est pas tout, mais c'est tout l'essentiel de ce que nous disons à nos populations et qui accueillent favorablement ce projet. On sent et on ressent, on revoit, on retrouve le professeur, l'enseignant qui mérite, qui maîtrise sa matière. Alors c'est un projet de société que vous maîtrisez carrément. Alors dites-nous pour finir, qu'est-ce que vous proposez pour réduire la pauvreté qui sévit dans le pays? Oui, si nous mettons en œuvre tout ce projet de société, cela voudrait dire que les emplois seront créés. Et quand on crée les emplois, on réduit forcément la pauvreté. Et il faudrait aussi augmenter le salaire des travailleurs. Cette augmentation de salaire permettra d'accroître en quelque sorte le pouvoir d'achat des citoyens. Et dès lors que ce pouvoir d'achat sera accru, vous verrez que l'économie va tourner davantage. Et si l'économie tourne davantage, c'est une réduction progressive de la pauvreté. Et si nous essayons dans les zones identifiées comme spécialisées dans telle production, nous essaierons donc de retenir les citoyens dans leur milieu. Et je crois qu'en les retenant dans leur milieu et en produisant dans ces milieux, c'est que ces milieux deviennent économiquement viables. Aujourd'hui, beaucoup de régions au Togo ne sont pas économiquement viables. Et ça fait pleurer lorsque nos étudiants terminent, par exemple, leurs études à Accra, et pour trouver un stage, ils sont obligés de venir à Lomé. Cela voudrait dire qu'économiquement, le Accra n'est pas une région viable. Il faudrait que toutes les régions du Togo deviennent des régions viables, de sorte que l'économie puisse fonctionner à tous ces niveaux. C'est comme cela que nous pourrions réduire la pauvreté dans notre pays. Merci beaucoup, professeur Wolu. Je rappelle que vous êtes candidat du PSR pour la présidentielle de 2020. Merci.